Ça va, vous avez survécu à l'intro? Alors, je me suis un peu lâché, désolé. Hein. Bon, bienvenue dans cette exploration slash visite de la tombe thébaine numéro 192 ou 192 comme on dit dans l'Ouest. Bon, notre aventure commence sur le parvis du temple des millions d'années de la reine Hatshepsut à Deir el-Bahari, mais ce n'est pas là qu'on va se rendre, non. Nous, on va se rendre derrière ces ballons, si j'arrive à faire le focus. Et on va se rendre dans la vallée des nobles. En fait, il faut savoir qu'après avoir visité le temple d'Hatshepsut, on s'est dit, tiens, on va essayer de rejoindre la vallée des nobles à pied, par le désert, plutôt que de retourner par la route. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à l'arrière de la vallée des nobles, là où il n'y a jamais aucun touriste. Et donc, on est arrivé à un endroit où il y avait juste quelques ouvriers qui travaillaient. Et on a demandé s'il y avait moyen de visiter quelque chose. Et il nous a dit, oui, pas de problème. Alors, le gars a contrôlé nos tickets. Et puis, il nous a amené dans un dédale de chambres et de couloirs obscurs. On ne savait absolument pas où on était. Et donc je me suis dit, bah à tout hasard, je vais quand même filmer, on va voir ce qui va se passer. Et ça nous a réservé quelques surprises. Et ce n'est que plus tard, une fois rentré chez moi, que j'ai essayé de comparer les plans avec les informations et la documentation que j'avais, et que j'ai pu identifier la tombe dans laquelle on se trouvait. Alors la tombe 192 a appartenu à un personnage nommé Kerouef, ou Kerouef, qui était scribe royal et grand intendant sous les règnes d'Amenhotep III et de son fils Amenhotep IV, futur Akhenaton. Alors la tombe est très grande, mais elle est largement inachevée, et elle est dans un état peu engageant, ce qui fait qu'elle est rarement visitée par les touristes, même si elle vaut quand même le détour. La tombe est composée d'une entrée qui mène sur un portique qu'on appelle le portique Est, et lui-même donne sur une première cour. Au bout de cette cour, on a un deuxième portique, le portique Ouest, et au-delà de cela, en fait, la tombe n'est plus visitable parce qu'elle est dans un état de délabrement trop avancé, et donc on ne pourra pas aller plus loin. On visite simplement les deux portiques, et au niveau du portique Est, en fait, il y a toute une série de tombes satellites qui sont assez sympas à visiter. Il s'agit des tombes 189, 190, 194, 195, etc. Alors ici, nous sommes en train de traverser la cour vers le portique Ouest. Et les décorations de la partie gauche du portique représentent en fait le jubilé pour les 30 ans de règne d'Amenhotep III. Et donc par exemple, on a cette fresque qu'on appelle le kiosque royal, et si je l'avais un peu mieux cadré, on la verrait mieux. À mon avis, j'étais un peu trop obnubilé par la beauté de ce que j'étais en train de voir. Voilà, donc avec cette image-là, on verra mieux. Et donc on voit en fait les deux souverains, on a Amenhotep III à gauche et à droite la reine Tiyi, et entre deux, la déesse Hathor. Alors on peut voir ici toute une série de poteries et de débris de décors qui sont entreposés là dans un des recoins du portique. Alors là on se situe de l'autre côté, sur le côté droit du portique ouest, qui est aussi dédié à un jubilé d'Amenhotep III, mais son troisième jubilé pour ses 37 ans de règne cette fois-ci. Et donc au centre du portique on a accès vers la première salle à piliers. Alors on ne pourra pas aller plus avant parce que la grille est verrouillée, et cette partie ne se visite pas. Mais on peut discerner la salle à piliers à travers la grille, on peut voir effectivement l'état de délabrement. Je vous mets ici quelques autres photos qu'on peut trouver ici et là. Bon, la visite va se poursuivre en revenant sur nos pas, en retraversant la cour vers le portique Est. À partir d'ici, les images vont devenir un peu plus sombres et floues. En fait, j'ai la caméra dans une main et la lampe dans l'autre, donc c'est pas super évident de filmer et de cadrer, et de faire le focus. Donc là, on va pénétrer dans la première tombe satellite, qui est la tombe thébaine numéro 189. C'est une tombe qui appartenait à un notable qui s'appelait Nart Djéouti, qui était chef des charpentiers et des orfèvres dans le domaine d'Amon à Karnak, sous le règne de Ramsès II, donc on est un peu plus tard, pendant la 19e dynastie. Je rappelle que le reste de la tombe de Kerouef, date de la 18e dynastie, des règnes de Amenhotep III, Amenhotep IV, donc ici on est un peu plus tard. Comme vous le voyez sur le plan en bas à gauche, la tombe est composée de deux pièces transversales qui sont en enfilade, et dans la pièce du fond, on voit deux entames de couloirs de part et d'autre. Ici sur la droite, on a une entrée d'un tunnel, par exemple. Et sur la gauche, comme je le signale judicieusement maintenant, il y a encore des escaliers. Eh bien, il y a des escaliers qui mènent vers on ne sait où.
Alors, selon la documentation que j'ai pu réunir, ces différentes tombes comportent des décorations, mais elles sont dans un tel mauvais état et l'éclairage étant ce qu'il est, on les a même pas remarquées quand on était là-bas. Cependant, si vous voulez en savoir plus, je mets en description toute une série de documents qui vous permettront d'en savoir plus si vous le désirez. Donc comme vous le voyez, on est en train de quitter la tombe 189 et de retourner dans le couloir principal. Et on va tourner à droite vers une série de pièces qui en fait constituent une annexe à la même tombe 189. Elle est composée de deux pièces en enfilade. Et dans la seconde, dans l'angle nord-est, il y a ce puits vertigineux qui, on le devine, mène à un autre couloir, mais que nous n'avons pas exploré, vous vous en doutez. Et sur le mur opposé, il y a un petit couloir qui a été creusé. Et au bout de ce couloir, le gardien nous a complètement pris par surprise en nous disant... Oui. C'est momie, ça. Et oui, il y avait là un fragment de momie, dépourvu de bandelettes, qui avait sans doute été déposé là par l'équipe d'ouvriers. Alors, de qui il s'agit et à quelle époque il a vécu, mystère. Oui, effectivement, c'est le... C'est un dos, hein. Ouais, une colonne vertébrale et une débris. Alors sur la droite, une série d'éclats de poterie et des débris divers. Des paniers, des plastiques. Alors il est temps maintenant de retourner sur nos pas. Parce qu'à partir de la première salle de l'annexe 189, on peut accéder à une autre tombe, qui est la tombe 190. Attention à ne pas tomber dans le puits en revenant. Alors le sol de la première pièce de cette tombe 190 est partiellement effondré. On voit qu'il y a un couloir qui passe par-dessous et qui a fait s'effondrer le plafond. Donc l'accès à la tombe est assez... Disons qu'il faut garder son sang-froid, quoi. La tombe 190 est celle d'un inconnu ayant vécu sous Ramsès II. Mais elle a été usurpée à la basse époque par un individu nommé Nesbanebjed. Une drôle d'odeur. Est-ce qu'on te met les pieds ? Une odeur de sauna en fait. Sauna ? C'est vrai ? Une ouverture pratiquée dans le mur du fond nous donne accès à la tombe 191, qui est la tombe de, attention accrochez-vous bien, Wahibre Nepeti, qui était chambellan, c'est-à-dire une sorte de majordome, d'une divine adoratrice d'Amon pendant la basse époque sous le règne de Psamétique Ier. Et on peut effectivement y admirer ces restes de textes. Il s'agit d'hymnes à Amon et à Osiris. Ouais. Ah ouais. À partir de là, on va pouvoir faire tout le chemin dans le sens inverse. En faisant bien attention où on met les pieds. Et on va retraverser le portique est pour aller explorer les tombes qui se situent de l'autre côté. Entre-temps, le reste de l'équipe d'ouvriers est arrivé. Il est 7h30 et ils sont sans doute prêts à commencer leur journée. Il nous reste deux tombes à visiter, la première étant la tombe 194. Qui appartient à un certain Jyoti Mheb, qui était superviseur des paysans dans le domaine d'Amon, dans la deuxième moitié du règne de Ramsès II. Dans l'ouverture de la porte, on peut apercevoir le défunt et sa femme en adoration devant Réorakti, et cette scène illustre un hymne à cette même divinité. En entrant, sur la droite, il y a de nouveau un profond puits.
La tombe est composée de deux pièces en enfilade, dont la seconde est sans doute la chambre funéraire. Alors cette salle est assez richement décorée, même si les peintures n'ont pas été restaurées. Et on peut observer sur plusieurs registres, c'est-à-dire les unes au-dessus des autres, des scènes assez classiques où le défunt et sa famille font des offrandes à diverses divinités. Par exemple, ici on peut voir le dieu Thoth face à Osiris, Isis et Horus. Mais mieux vaut pas trop s'en approcher. Nous nous trouvons maintenant dans la chambre funéraire présumée, et sur ce mur par exemple, on peut lire un nouvel hymne, celui-ci dédié à la déesse Hathor. On va maintenant emprunter un tunnel qui commence par quelques marches, et qui ne fait sans doute pas partie du plan de la tombe d'origine. Il a donc été creusé plus tard, quand la tombe a été visitée et usurpée ultérieurement. Avant de bifurquer à angle droit, le tunnel descend légèrement pour pouvoir passer sous l'entrée de la tombe principale numéro 192, celle de Kerwev donc. Et tout au fond, les équipes de fouilleurs ont disposé dans des paniers les différents ossements, humains et ou animaux, découverts dans la tombe. Malheureusement, j'ai pas d'infos supplémentaires concernant ces restes. Les os ? Ah oui. Là-bas au bout. Pendant qu'on fait demi-tour pour regagner le portique principal, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez trouver en description de la vidéo plein d'informations complémentaires concernant ces tombes. Et étrangement, les meilleures descriptions que j'ai pu trouver proviennent du Wikipédia en italien. Alors si comme moi vous parlez pas italien, prenez simplement le texte et collez-le dans un traducteur, ça marche très très bien. Et comme ça vous aurez accès aux descriptions de tous les décors présents dans les tombes. La tombe suivante est la tombe de Bakhenamon, qui était scribe du trésor du domaine d'Amon à la 19e dynastie. La première salle comprend toute une série de reliefs, notamment celui-ci qui montre un prêtre faisant des offrandes au défunt et à son épouse. Un peu plus loin, on trouve un tunnel qui devait probablement servir à agrandir la tombe, mais qui n'a jamais été achevé. Il finit donc en cul-de-sac au bout de quelques mètres. Dans la seconde pièce, on peut distinguer une niche dans le mur du fond. Ainsi qu'un tunnel qui part en courbe vers la droite, vers la chambre funéraire. Au fond de cette chambre funéraire, que nous n'avons pas visitée, une ouverture dans le mur donne accès à la tombe 196. Retour dans la première pièce, dans laquelle une petite ouverture dans le mur nous permet de nous faufiler dans la dernière tombe que nous allons visiter aujourd'hui, la tombe numéro 406. Il s'agit de la tombe de Pi, qui avait le titre de scribe de la table d'offrande du seigneur des deux terres, c'est-à-dire du pharaon, aux 19e et 20e dynasties. Voici l'entrée qui donne accès à la cour principale de la tombe de Kerouef. On peut voir ici un relief très intéressant qui représente la barque de Ré tractée par deux chacals. Quoi, on dit des chacals ? Sur le mur d'en face, le défunt rend hommage à Osiris. Dans la seconde pièce, on remarque l'entame d'un couloir descendant non achevé. Et dans la troisième pièce se trouve un puits qui n'a pas encore été exploré. Ça, c'est
un corps. Non? It's called head. Head, yeah. Il est temps maintenant de regagner la sortie car on a vu tout ce qui était accessible autour du complexe de Kerouef. Et pendant un instant, j'ai cru qu'on était enfermé dans la tombe. En revenant à l'air libre, on s'est souvenu qu'on était toujours perdu. Donc, après avoir remercié notre guide, on lui a demandé de nous indiquer le chemin pour rejoindre le reste de la vallée des nobles. Et un autre gardien a proposé de nous y conduire. Et c'est comme ça qu'on a pu rejoindre le flot de visiteurs qui commençait à envahir le site en cette heure matinale. Et c'est ainsi que se termine cette visite improvisée de tombes qui sont largement ignorées des touristes en temps normal. J'espère que ça vous a plu de les découvrir, et si vous avez comme projet de voir tout ça de vos propres yeux un jour, j'ai prévu de sortir très prochainement une vidéo qui devrait vous intéresser, puisqu'il s'agit d'une sorte de guide pour les voyageurs, qui devrait permettre de répondre à pas mal de questions qu'on se pose avant de visiter l'Égypte. La vidéo est presque prête, il me reste juste à terminer le montage, donc ça devrait arriver très bientôt. Donc pensez à vous abonner si ce contenu vous intéresse, et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt !